Extreme Cara qui avait gagné le prix Caen, bah, serrait sur l'hippodrome d'Auteuil il y a 3 ans un groupe 1. Il s'était avant illustré avec un excellent béret gagnant du prix des chênes, si je ne m'abuse, après avoir été racheté pour 3000 euros sur le ring de Osarus à la teste. Hurricane 4 a cette capacité à sortir un bon cheval tous les ans. Et à bon cheval, bon étalonnier, Alain Régnier, Coolmore Stud Bretagne, Storm 4, Blushing Groom, c'est à toi. Le cheval est comme l'année dernière, il vient d'arriver d'Argentine. Il a assailli 130 juments, il est arrivé au 15 décembre, vous voyez dans l'état qu'il est. Pour moi, O'Hara, nous on dit que c'est un deuxième verglas. Il voyage, il prend l'avion, il mange, il vit heureux. On a fait une année l'année dernière superbe, on a eu Body, on a Gonaron qui a été cinquième du Jockey Club. On a quelques très bons chevaux à l'entraînement pour l'obstacle qui vont arriver. On a eu un autre bon cheval chez Étienne Lenders, Blushing Beret. À Angers, l'autre jour, il y a une petite 2 ans qui a gagné très prometteuse chez Étienne Lenders. Il y a Jean-Claude Rouget qui m'en a acheté 5-6 cette année. Donc, c'est qui doit les aimer. C'est le cheval adorable, gentil,